Op dit moment is hij een van de meest gelezen, vertaalde en gespeelde Franse auteurs. Deze filosoof van opleiding veroverde met zijn verhaal over Oscar en oma Rozerood een groot publiek. Erik Emmanuel Schmid is een gevoelig en geïnspireerd schrijver. Ik ontmoet hem in Brussel, waar hij woont en werkt. Erik Emmanuel Schmid, soyez le bienvenu à notre programme. Pourquoi avez-vous choisi de vivre à Bruxelles? Écoutez, j'avais des amis belges depuis des années. Et chaque fois que je venais en Belgique, j'étais jaloux de leur vie. Je me disais, au fond, ils ont raison de vivre dans une ville pas trop grande. La vie est plus agréable, les gens sont charmants. Et moi, en même temps, je continuais à vivre à Paris. Je continuais à m'embêter à Paris, à être agressé par Paris, à être dans le bruit de Paris. Et puis un jour, j'en ai vraiment eu assez et j'ai acheté une maison et je me suis installé ici. Qui étaient vos parents? Mes parents étaient des sons, parce qu'ils sont toujours vivants, des sportifs de haut niveau. Ma mère était professeure d'éducation physique, mais elle était surtout championne de France de course. Et mon père était professeur d'éducation physique aussi, kinésithérapeute et champion de France de boxe. De boxe. Et j'avais donc des parents très sportifs, ce qu'à mon avis, tous mes camarades m'enviaient, et ce que moi je trouvais absolument horrible, parce que, évidemment, par réaction avec mes parents, j'étais très paresseux, je ne voulais jamais faire de sport, je détestais aller grimper en montagne, marcher des heures dans les Alpes, j'aimais beaucoup le ski, et j'aime toujours beaucoup le ski, mais je vivais comme une catastrophe d'avoir des parents aussi sportifs. Quand avez-vous découvert que le monde n'était pas aussi beau que celui que vous aviez imaginé enfant? Bien, disons que j'ai mis du temps à accepter la complexité du monde et la complexité de la condition humaine. Pendant l'adolescence, comme tous les adolescents, j'étais en révolte contre le monde et je trouvais le monde absurde, dépourvu de sens, chaotique. Et je voulais moi-même ajouter mon chaos à ce chaos, comme beaucoup d'adolescents. Et puis ensuite, j'ai rencontré la philosophie, ce qui a été une des grandes rencontres de ma vie. Et je me suis mis à essayer de me servir de ma raison et de mon intelligence pour explorer le monde, l'humanité, les lois, les relations entre les hommes, etc. Et donc la philosophie m'a aidé à me construire. Elle ne m'a pas apporté des réponses, mais elle m'a aidé à me construire comme un animal interrogatif. Et puis... Et puis je me vivais comme séparé du monde. Comme beaucoup de gens au XXe siècle, enfin maintenant on est au XXIe, mais je me vivais comme étranger au monde, comme séparé du monde, comme une conscience au milieu d'un monde sans conscience. Et tout a changé pour moi le jour où je suis parti dans le désert. Qu'est-ce qui a changé alors? Ben, je suis parti dans le Sahara pour un voyage. Je dirais sportif et un voyage de curieux. C'est-à-dire qu'il s'agissait de marcher dans le Sahara avec 10 personnes, des chameaux qui portaient les vivres et nos affaires. Et puis c'était l'aventure, la pure aventure. Et à cette aventure physique s'est ajoutée une aventure spirituelle. C'est-à-dire qu'un jour, dans ce Sahara, je me suis perdu. Nous avions fait l'ascension d'une montagne. Le mont Tahat, qui est un sommet du Hoggar. Arrivé au sommet, j'ai dit, je descends en premier, je passe devant. Et je me suis mis à descendre à toute vitesse, à courir presque, pendant des heures et des heures, sans jamais me retourner. Et tout d'un coup, 7 heures du soir, la nuit tombe, le vent se lève, le froid arrive, je m'arrête, je ne sais pas où je suis, j'appelle, personne ne me répond. Je suis perdu. Perdu dans le désert, à 300 km du premier village, Tamanrasset. Vous avez eu peur? Je me suis dit, c'est le bon moment pour avoir peur. Et je n'ai pas eu peur.
Non pas parce que je suis quelqu'un de très peureux et qui peut avoir peur de choses stupides, mais je me suis dit, ah, il m'arrive quelque chose d'important, je suis perdu dans le désert et je vais peut-être mourir dans les jours qui viennent. J'étais surtout étonné. Et puis après, je me suis dit, j'essayais de m'organiser pour passer la nuit. Comment ? Eh bien, je me suis protégé du vent derrière un rocher, je me suis fait un trou dans le sable en me mettant du sable dessus pour ne pas avoir froid, parce qu'il fait très froid la nuit dans le désert, au mois de février. J'étais assez peu habillé en plus, j'étais habillé pour la journée, pas pour la nuit. Et puis j'avais très soif et très faim parce que je n'avais rien à manger et à boire. Et puis je me suis dit, voilà, j'ai passé une nuit horrible. Et c'était le contraire d'une nuit horrible, c'est-à-dire pendant cette nuit-là, j'ai vraiment été inondé par la force, par la foi que je n'avais pas. Vous étiez athée ou agnostique ? Je suis rentré agnostique dans le désert, j'en suis ressorti croyant. Parce que pendant cette nuit-là, j'ai vraiment reçu une force qui était tellement forte qu'elle n'était pas, j'en étais pas l'auteur de cette force. Et comment le savez-vous ? On n'est jamais sûr de ces choses-là. Le propre d'une révélation, c'est qu'on décide librement que c'était bien une révélation. Je pourrais vous expliquer que, à cause de la faim et la soif, j'étais dans un état d'hallucination. Je pourrais vous expliquer ça de façon psychanalytique par mon rapport à ma famille ou à mon père. Je connais toutes ces explications. J'ai été professeur de philosophie. J'étais payé pour servir ce genre d'explications. Et malgré tout, devant ce phénomène, ma liberté dit non, il s'est passé quelque chose d'infiniment différent. Tout simplement, pour moi, la preuve qu'il s'est passé quelque chose de différent, c'est que cette nuit, elle est comme une rivière qui n'a pas cessé de grandir et qui est devenue un fleuve. C'est-à-dire que cette nuit-là, c'était juste un petit filet. Et puis, avec les années, cette foi est devenue plus importante. Elle est devenue moi. J'ai complètement changé, j'ai été changé par cette nuit. Comment est-ce que vous pouvez expliquer qui étiez-vous avant et qui étiez-vous après, concrètement ? Avant, je me servais de ma raison et seulement de ma raison. Et ce que ma raison ne comprenait pas m'était insupportable, ah oui. M'était une violence absolue. Oui. À partir de cette nuit dans le désert, j'ai compris qu'on ne percevait pas le monde seulement avec sa raison, mais aussi avec son cœur, sa foi, son imagination. L'esprit est plus que la raison, beaucoup plus. Et à partir de là, il y a des choses que l'on, auxquelles on croit, et ce ne sont pas des choses que l'on sait, car croire n'est pas savoir. Si vous me demandez est-ce que Dieu existe, je vous réponds je ne sais pas. Mais j'ajoute, je crois. Vous voyez et, alors qu'avant, je croyais que tout était savoir, tout relevait de la raison, j'ai accepté de penser qu'il y avait des choses qui relevaient d'autres instances, mais il ne fallait pas les confondre. Je ne sais toujours pas sur Dieu, que Dieu existe, mais je crois vraiment, voyez. Oui. Et donc je me suis enrichi cette nuit-là. Oui. Je me suis enrichi de non seulement comme homme, puisque j'ai laissé vivre en moi des puissances qui n'existaient pas, mais j'étais aussi enrichi parce que tout d'un coup j'ai accepté le mystère du monde. Avant cette nuit-là, le monde pour moi était absurde, c'est-à-dire il n'avait pas de sens. J'étais, en tant qu'homme, comme tout homme, le seul créateur de sens dans un monde matériel. Après cette nuit-là, le monde n'était plus absurde, il était mystérieux. Mystérieux, c'est-à-dire qu'il y a dans le monde une promesse de sens, une promesse de raison qui scintille et devant laquelle nous sommes. Retour du désert, je me dis, je vais lire les grands textes religieux. Mmh. Et évidemment, par snobisme, je commence par les plus exotiques, les plus lointains. Donc je commence par lire les récits du bouddhisme, de la religion indienne, parce que je ne voulais vraiment surtout pas me rapprocher d'ici, quoi. Et puis progressivement, je me rapproche.
Et je lis certains mystiques chrétiens avec passion. Qui? Saint Jean de la Croix, Thérèse d'Avila, oui. Maître Eckhart. Oui. Et je me rends compte qu'il faut absolument quand même que je lise les évangiles. Et une nuit, je lis les évangiles. C'est pas long, les quatre. Oui. Bah oui, non, c'est tout petit. Mm-hmm. C'est gros, c'est important, mais c'est tout petit. Et je lis les quatre évangiles à la suite. Et je suis fasciné. Parce que je me pose infiniment de questions en lisant ce texte. D'abord, j'en ressens la force, c'est-à-dire l'espèce de mise en avant de l'amour, comme je n'avais jamais vu ça. Qu'est-ce qui vous bouleverse dans les évangiles? D'abord qu'un homme, parce qu'au minimum, Jésus est un homme, au minimum, aille aussi loin dans l'aventure de l'amour de toute l'humanité. Moi, je suis capable d'aimer quelques personnes, très peu, très très fort, mais toute l'humanité. Et me sacrifier pour cette humanité, non. Donc, déjà, cette figure-là me bouleverse. Et puis, ce qui me bouleverse plus dans les évangiles, c'est les questions qui restent à l'intérieur des évangiles. C'est-à-dire, est-ce Dieu qui s'incarne? Et y a-t-il résurrection? Et ces questions-là me nourrissent, me remplissent. Je vis avec ces questions-là. Ma foi répond oui. Et en même temps, la méditation sur ces questions-là est quelque chose qui m'aide à être un homme, qui m'aide à avoir un regard beaucoup plus bienveillant sur les autres, et parfois sur moi-même aussi, sur la violence du monde. Oui, c'est un texte qui me remplit d'amour. Qu'est-ce que la résurrection est pour vous? C'est-à-dire que très sérieusement, c'est ce que je fais dans l'Évangile selon Pilate, j'envisage que c'est possible, que c'est tout à fait possible. Et que c'est un message pour des siècles et des siècles. Que ça soit arrivé une fois. Alors que pendant des années, j'ai fait l'économie de cette question. Je refusais même qu'on me pose la question. Je disais, arrêtez. Enfin, arrêtez. Parlez-moi pas de ça, c'est ridicule. Et tout d'un coup, je me dis, que s'est-il passé? Est-ce qu'il est possible que ce soit ça qui se soit passé comme un message qui nous indique d'abord qu'il s'agit bien de Dieu, qu'on doit bien entendre ce qui se dit, et que la mort est un paysage mystérieux dont nous ne savons rien. Parlons d'Oscar et Omar Roserood. Vous dites que l'on subit la douleur physique, mais qu'on choisit la douleur mentale. C'est un peu exagéré, mais c'est utile à ce moment-là du livre de le dire. C'est-à-dire qu'effectivement, la Dame Rose explique à cet enfant qui est atteint d'une maladie très très grave que la souffrance qu'il ressent à cause de sa maladie ou surtout des traitements liés à sa maladie, ça, il ne peut pas y échapper. Mais d'autres souffrances, les souffrances morales, il peut y échapper. Par exemple, certaines peurs qu'il a et la peur de la mort. Il me dit, tu ne sais pas ce qu'est la mort. Alors de quoi as-tu peur ? De l'inconnu, il faut vivre avec l'acceptation de l'inconnu. Donc, bien sûr, si elle lui dit, si tu plaques un savoir sur la mort, tu vas avoir peur parce que tu vas croire que la mort, c'est le néant, ou que la mort, c'est la survie, ou que la mort, c'est le purgatoire, ou que la mort, c'est le paradis, ou que la mort, c'est... Là, tu peux avoir peur. Mais si tu acceptes la dimension mystérieuse de la mort et que tu te prépares au mystère... Eh bien, certaines peurs, tu peux y échapper. Je ne suis pas en train de dire que toute souffrance est générée par nous, mais il est bien évident que le dispositif intellectuel que l'on offre au monde provoque ou évite certaines souffrances. Avant de publier La part de l'autre, vos proches vous ont supplié d'y renoncer. Oui. Pourquoi ?
je leur annonce que je vais écrire un livre sur Hitler. Et alors, ils ont peur pour moi. Parce qu'ils ont peur que on me prenne d'abord pour quelqu'un qui serait fasciné par Hitler, ou qu'on me prenne pour un hitlérien. Je leur dis, écoutez, soyez pas ridicules, c'est pas ça. Et puis surtout, ils ont peur parce qu'ils comprennent ma vraie thèse sur Hitler. Et elle est très dérangeante. C'est de dire que... Laquelle ? C'est de dire que Hitler n'est pas différent de nous. C'est un monstre, mais ce monstre, nous pourrions tous l'être si nous ne faisons pas attention. C'est-à-dire que j'ai toujours été très choqué par les thèses qui présentaient Hitler comme un être absolument ridicule ou un être absolument différent de tout le monde. Souvent, quand on parle de la sexualité d'Hitler, on explique que de toute façon, il a une sexualité différente de tout le monde. Ce n'est pas la nôtre, ce n'est pas nous. Toujours, on veut dire, c'est pas nous. Mais enfin, c'est quand même un homme. C'est dangereux. C'est bien dans l'humanité que c'est arrivé, cette histoire. C'est bien des humains qui ont été nazis, qui ont été hitlériens. C'est bien un homme qui est devenu Hitler. Donc, ce qui m'intéressait, c'était de montrer l'odyssée intérieure, de montrer comment on peut devenir un salaud, un barbare, un monstre comme Hitler. Et comment c'est pas si loin de nous. Et comment c'est facile de devenir comme ça, si on fait pas attention. C'est facile d'être raciste, si on fait pas attention. C'est facile de trouver des coupables, plutôt que d'analyser. C'est plus facile. Donc, toute la pente de la facilité nous pousse vers le mal. Toute la pente de la facilité nous pousse vers le démonique. Et c'est ça que je voulais montrer, que Hitler est à l'intérieur de nous et pas à l'extérieur de nous. Montrer que si nous nous laissons aller, nous pouvons devenir ce personnage-là très facilement. Alors c'est très 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 dérangeant, mais c'est pour ça que le livre passionne les gens qui le lisent, parce que c'est une expérience de pensée que de se confronter à ça. Alors pour provoquer cette expérience dans le livre, je raconte, c'est un double roman au fond. C'est le roman du vrai Hitler, de l'intérieur, en essayant de comprendre comment il se construit. Mais je précise que comprendre, ce n'est pas justifier. Comprendre, c'est juste comprendre. Et puis, c'est aussi le roman de l'autre Hitler, celui qu'il aurait pu devenir s'il n'avait pas été aussi frustré. Et donc, je raconte, ça part d'un moment clé, octobre 1908, Vienne, l'Académie des Beaux-Arts. Le vrai Hitler est recalé à l'Académie des Beaux-Arts. Il ne pourra pas être un peintre. Alors, il va devenir un clochard, un soldat, un être infiniment frustré qui va se construire sur le manque, l'échec. Et comme son pays est aussi dans un échec, après la guerre 14-18, cet échec va être contagieux, ce sentiment d'échec. Et puis je raconte ce même jour d'octobre 1918, la vie de l'autre, le même, qui est accepté, juste, au ras des fesses, à l'Académie des Beaux-Arts, et qui va se construire différemment, et qui va surtout traverser un autre siècle, un siècle dans lequel il n'y aura pas Adolf Hitler dictateur, mais Adolf Hitler peintre moyen, médiocre, mais peintre. Voilà. Donc c'est deux siècles, deux hommes, deux destins. Et c'est en montrant que Hitler pouvait être un autre que je montre à chacun qu'il pourrait être Hitler. C'est un vrai piège. C'est un piège philosophique et romanesque. Quelle est l'importance de la musique dans votre vie ? Ah ben la musique, c'est... Je crois que c'est le... Les vrais sons de mon âme, c'est la musique. C'est-à-dire que j'ai besoin de musique tous les jours. La musique des autres, puisque je n'en fais pas. Même si je joue du piano et de temps en temps j'improvise. Mais la musique, c'est mon journal intime. C'est mon âme. Et la musique a aussi une importance philosophique dans ma vie. C'est-à-dire que certains musiciens m'ont aidé à me construire et à réfléchir au monde. Par exemple, la confiance dans le monde dont je parlais, quand j'écoute Mozart, je l'entends. Et il m'aide à accepter le monde tel qu'il est, lucidement, et en même temps à l'aimer quand même. Donc pour moi, les musiciens sont bien sûr des musiciens, mais aussi parfois des maîtres de philosophie, ou en tout cas des maîtres de sagesse. Quand j'ai eu un entretien avec Jordi Savall, il m'a dit que la musique est le langage que l'homme a inventé pour parler avec Dieu avant que les mots n'existent. Qu'en pensez-vous ? En tout cas, par exemple, des gens vous disent, comme Malraux,
le romancier et philosophe français disait « Mozart me ferait presque croire en Dieu ». Moi, j'ai écrit dans une de mes pièces, Le Visiteur, que oui. Mozart pouvait permettre à Dieu de croire en l'homme. Oui, oui. C'est-à-dire que c'est vrai que les musiciens, parfois, nous apportent l'excellence, le meilleur de l'homme, une vision allègre, joyeuse, sereine, au-delà de tous les bruits, et qu'ils ont une grande importance pour notre vie spirituelle. Moi, aucun musicien ne me fera croire en Dieu, mais les musiciens m'aident dans mon trajet spirituel. Dans ma vie avec Mozart, vous évoquez discrètement la mort d'une jeune femme. Comment cet événement vous a-t-il touché? J'ai perdu quelqu'un que j'aimais profondément. Comme je le dis dans ce livre, j'en ai tellement souffert que j'ai recouvert tout ça de silence. Et que c'est toujours pareil. C'est-à-dire que ma seule manière de la retrouver ou de penser à elle, c'est à travers la musique. Oui. Oui. Et la musique me la rend, me rend le vécu charnel, sentimental de ce que nous avons eu ensemble. Mais les mots... quelque part dans mon esprit, j'ai fait une tombe. Et elle est inaccessible. Et dans cette tombe, malheureusement, il y a aussi tous les souvenirs. Il n'y a que la musique qui me redonne tous les souvenirs. C'est un vrai blocage. Mais Mozart vous a aidé. Oui, mais il me débloque. Et d'autres, Schubert aussi, et d'autres. Mais... je suis un écrivain qui ne trouve pas toujours les mots. Mais parce que je suis un être humain, quoi. Quel est le sens de la vie? Je crois que c'est à la fois l'expansion de l'être et l'expansion de l'amour. C'est-à-dire que être en vie, c'est être un être au milieu des êtres et essayer d'ajouter de l'être. D'ajouter de la vie à la vie. Alors, ça peut être en faisant des enfants, mais ça peut être en échangeant des idées, des valeurs spirituelles, en créant des œuvres, en travaillant, en apportant aux autres. Je veux dire, l'apport d'un être aux êtres doit toujours aller non pas dans le sens du néant, mais dans le sens de l'ajout d'être. Et que l'amour était sans doute le meilleur moteur de cette expansion de l'être. C'est déjà l'heure. Alors, Odette, c'est le grand jour? Alors, c'est le grand jour? De quoi est-ce que j'ai l'air? Franchement. D'une belle mère? Non. Ah si. Bon, tant pis, j'y vais pas. C'est la seule occasion que t'auras de le voir. Sinon, tu vas le regretter toute ta vie. Quel est votre nom? Dette. Pardon? Dette. Vous avez tourné votre premier film? Oui, alors. Et peut-être le dernier. Racontez-nous. J'ai inventé une histoire pour le cinéma. Ça s'appelle Odette Tout le Monde. C'est le nom du personnage principal, Odette Tout le Monde. C'est Madame Tout le Monde et en même temps, c'est pas n'importe qui du tout. Oui. Quel est le thème? Le bonheur, la recherche du bonheur. C'est la rencontre entre un homme et une femme. Lui a tout pour être heureux et n'est pas heureux. Elle n'a rien pour être heureuse et elle est heureuse. Et elle va lui donner des cours de bonheur. Il faut vous identifier. Aux deux. Lui est un écrivain. Oui. Lui est un écrivain. Il n'est pas satisfait. Oui, parce qu'au fond, il a recherché le bonheur, mais avec des idéaux du bonheur qu'il a reçus des autres sans les interroger. Il croyait qu'être heureux, c'était avoir du succès, de l'argent, un appartement à Paris, un chalet à Megève, une maison à Saint-Tropez, des clichés, que des clichés. Dans ses livres, il n'y a pas de clichés, dans sa vie, il n'y a que des clichés.
Et tout d'un coup, parce qu'il va rencontrer cette femme d'un autre milieu social, avec de tout autres valeurs que les siennes, un autre horizon, et bien là, il va trouver le bonheur. Donc, il va cesser de vouloir vivre le bonheur des autres, c'est-à-dire le bonheur selon les autres, et il va essayer de vivre le bonheur selon lui. Donc, c'est toute une quête intérieure, mais aidée par cette femme, qui d'ailleurs ne sait même pas qu'elle l'aide. Elle est là. C'est vous qui m'avez écrit cette lettre. Est-ce que je peux rester chez vous quelques jours? J'ai mes œufs en neige. Comment? Je viens de faire monter des œufs en neige et vous savez, les œufs en neige, si on attend trop, ils... Alors, pouvez-vous nous indiquer quelques éléments de votre vision du monde? Je crois que ce qui est le plus important pour nous tous, c'est que nous partagions des questions plutôt que des réponses. C'est-à-dire que je crois que ce que nous avons tous en commun, ce sont des questions. Qu'est-ce que nous faisons là? À quoi sert de vivre? Quel est le sens de l'existence? Qu'est-ce que la mort? Et ces questions, tout homme, dans toutes les cultures, à toutes les époques, les a. Et je crois que pour moi, l'humanisme, c'est le sens de la question. Nous sommes des hommes parce que nous sommes des animaux habités par les mêmes questions. Alors nous sommes aussi des animaux habités par des réponses. Alors ces réponses, elles nous différencient. Elles font que certains seront chrétiens, juifs, musulmans, athées, que certains conduiront leur vie avec telle ou telle valeur ou telle ou telle valeur. Alors je crois qu'il faut respecter les réponses, mais toujours remonter à la question. Parce que la fraternité entre nous, c'est la question. Et la différence est dans la réponse. Donc moi, j'arrive à me sentir proche de tout homme par la question. Et du coup, je peux m'approcher de sa réponse. Ah oui, toi tu réponds ça, d'accord. Moi je réponds autre chose, mais ça m'intéresse bien, cette réponse-là aussi. Et voilà, j'essaye de pratiquer un humanisme interrogatif. Quelle est votre image de Dieu? Eh bien alors voilà, très bonne question, aucune image. Dieu, c'est une... pour moi, c'est... c'est une foi, c'est un espèce de flux que j'ai en moi, c'est la vie dans mes veines, c'est l'agitation de mon sang, c'est la musique de ma pensée. Il n'y a pas d'image. Toutes les images sont fausses. C'est en deçà, dessous toutes les images. Tout discours essayant d'approcher Dieu est un discours métaphorique, est un discours par analogie, est un discours à défaut de justesse. Est-ce que votre image du monde s'est constituée d'une manière graduelle ou par épisode brusque? Effectivement, mon image du monde s'est construite avec des événements, des moments charnières. Je ne l'ai pas compris tout de suite. J'ai compris qu'il se passait dans ces moments charnières quelque chose d'important. Et c'est souvent des semaines, des mois, voire des années après que j'arrive à saisir ce qui s'est passé à ce moment-là. Mais je crois effectivement que pour moi, une existence est faite de rencontres avec l'autre, mais peut-être avec Dieu aussi, de portes qui s'ouvrent, de portes qu'on ne voyait pas ou de portes qu'on croyait fermées qui s'ouvrent. D'ailleurs, dans mon théâtre est plein de portes qui s'ouvrent. Pas de portes qui claquent, je n'écris pas des pièces de boulevard, mais de portes qui s'ouvrent. C'est-à-dire, souvent, mes personnages sont des personnages qui sont enfermés dans des certitudes, comme Sigmund Freud dans Le Visiteur, qui croit qu'il est athée, que c'est définitif, oui, etc. Et hop, une fenêtre s'ouvre et un visiteur arrive et c'est peut-être Dieu. Ou en tout cas, un dialogue que Freud a avec lui-même ou avec la part en lui qui pourrait croire en Dieu. Éric Emmanuel Schmitt, alors merci beaucoup pour cet entretien.